Nous sommes vendredi le 10 juillet 2020. Ma maman, je suis pardon. Je vous présente une excuse pour que vous valeur ma cassité. Je vous présente pardon, pardon, pardon. La vidéo moko est circulée dans les réseaux sociaux, partout. Il y a ma cambo. Il y a ma BO, je ne sais pas si c'est où est le kaki lobby. Na marche où tout ça qui lobby contre le président. Il y a Obalini Batier Labisso, na Seni, comme on a dit, Ronsa Malonda. Tout ça qui lobby, pour na côté les mela, pour boya, méthode Bazotier Labisso, et puis tout l'ingi payé. Maman, bon moninga na vidéo, wana, na ko wanga na te. Mais nga mutu na tindi mama wana asala makambo asala kiti kaka ndenge za kana ba marche mutu asengi photo ya monsieur Malonda Ronsa na sali signe ba pesiye photo wana nde asali oyo asala ki so botali bien koto mutu moko ta na liboso na koto na mona ki koto te mutu moko ati na liboso na ngai ateni liboso na ngala teke koti boye mama oyo koma ki passe tokena na marche koto na balabala. Naza ko se justifier ko se justifier te mais elo ko se a mon touya sikoyo na se na bino maman na se na bino pardon bande ko nanga basi ba maman nanga basi na biso na se ni pardon o yuti na mote malanga boebi valeur na zakana ko na ba maman boebi valeur na zakana ko na basi na ko kitsa mwasi na niveau atenga na tina ye asalango mais maman ba lo bakana lokoto le vin tiré il faut le boire na se nka ka bodimbi singa mo na bino je ko komu. Merci Mingi. Merci, salut à vous les amis, le compatriote congolais. Merci. Je viens de recevoir juste un appel pour dénoncer les Congolais sont mécontents, spécialement les mamans. Par rapport à ce qui s'est passé hier à la marche, il y a une vidéo qui circule disant que montrant une femme en train de faire pipi sur la photo de monsieur Malonda Rosanne que nous connaissons faisant partie, il était aussi présent lorsque la dame en question faisait pipi sur la photo de Rosanne Malonda. Alors, quelque part, ça a vraiment humilié plusieurs femmes. Les gens se disent, est-ce que ce n'était pas la dépravation de mœurs? Les députés que nous sollicitons, ce sont eux qui doivent enseigner quand même la population de bonne manière. Mais on remarque que ce sont plus de députés qui font quoi? Qui malheureusement ne respectent pas la, disons même la nudité d'une femme. Alors cela a créé quand même des polémiques. Et nous avons aussi vu l'honorable Jekoko se justifier par rapport à cette vidéo. Voilà, je veux essayer un peu d'inviter M. Eric, s'il peut être là avec nous, c'est le déclinant. Allez, un peu cette équivoque, je ne sais pas s'il me dit. M. Eric, nous sommes en direct. Je salue tous nos amis qui sont connectés en ce temps ici. À partir de Kinshasa, Eric Bukula, l'honorable, ça va? Oui, je vais bien, Deko Bukula. Batimisusu, il n'y a pas de marche ici, il n'y a pas de manifestation. Maman Moroté, Balobi et Loro Moko Awa. Alors, on va être. Je vais essayer d'éclaircir ou bien d'éclairer la lanterne à Bandekona Bissot. Ce qui s'est passé est que
C'est une marche. C'est une marche. J'étais là personnellement. Pour Naba, peut-être qu'ils ne me connaissent pas ou qu'ils ne m'ont pas reconnu sur la vidéo, j'étais là. J'ai porté la Lacoste Montréal noir et blanc. Alors, la scène s'est passée bourrée. On est en train de marcher. Avec évidemment contre Ronsard, la désignation de M. Ronsard. Vous connaissez la popularité à. Il y a l'honorable Chekoko, il est très populaire ici. Donc, quand il entre des marchés, votre bazo l'andaï na sima. Tout le monde s'est joigné à la marche. Maman, enfant, père. Donc, parce que non seulement qu'il est suivi pour sa popularité, mais aussi ils ont soutenu sa cause. Tout le monde ne veut, personne ne veut de M. Ronsard. Alors, la maman qui vient, elle insiste. Elle a posé la question à plusieurs reprises. En fait, elle a fait la demande à plusieurs reprises. Et elle le disait à haute voix. On a beaucoup de gens qui ont ça, parce qu'il y a quelques jeunes qui avaient des effigies de M. Ronsard, ma photo naïve. Alors elle a demandé, comme Jekoko, il aime bien écouter les mamans à Zalramoutouna Bango, il a finalement dit à quelqu'un, un de. Parce qu'elle disait, beaucoup de gens qui ont ça, on a la like, là. Là, il a ordonné qu'on puisse lui donner une photo. Il l'a mis. La mise par terre parce que Kolakela, on se disait, bon, sûrement elle va peut-être proférer des mots contre lui ou peut-être Aroniatango, comme ça s'est fait souvent dans la manifestation. Et il l'a donné, bah tiens, on a mambélé. Et aussitôt qu'on lui a donné, l'honorable Jekoko parlait à l'un des. Bon, t'as la vidéo, on a bien, vous verrez qu'il a télé parlé à l'un des membres de l'entourage. C'est-à-dire, il fallait, après sa itinéraire, quel itinéraire nous devions emprunter. On était sur le poids lourd à ce moment-là. Et c'est pendant ces temps-là, voilà, c'est pendant ces moments-là que la maman a fait ce qu'elle a fait. Un acte que Bissonioso, bon, nous avons accepté, il a monté, c'est vrai, c'est un peu c'est pour une maman de faire ça et tout. Mais là où moi j'ai du mal à comprendre tout ce qui se passe, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quel rapport entre ce qu'elle a fait et l'honorable Jekoko? A-t-il le pouvoir de demander à une maman de se déshabiller en public? Il n'a pas ces pouvoirs-là. Voilà. Et il n'a rien demandé à la maman. Elle lui a juste remis la photo comme elle avait demandé. Après ces photos, elle a fait ce qu'elle pouvait faire après. La maman, c'est une marche, c'est une manifestation. Elle a exprimé ras-le-bol. Au lieu de mona place ouana, au lieu que les gens puissent plutôt s'appesantir sur le fait que quand une maman en arrive à ce point-là, une mère de foyer, c'est qu'elle en a marre de ce qui se passe dans son pays. Au Lébatal Aspirana, on dit que c'est l'honorable qui l'a envoyé. Il n'avait pas. Pendant que ça s'est passé, vous verrez qu'il y a un monsieur qui était debout devant, comme je l'ai dit, Abano Solana, honorable Jekoko. Donc il a vu l'axe qui est après. Voilà, il a vu l'axe qui est après. Voilà. Atini Mutumorote. Quand il y a Chichi, par exemple, ou il y a Chichi, ou je ne sais pas, même Mané, là, en Afrique du Sud, place Boza, quand il demande, par exemple, aux gens, quand il demandait aux gens de descendre dans la rue pour défendre une certaine cause, on vous appelle à une marche pacifique, et qu'il y a casse, il y a débordement, tout comme on l'a vu même dans la marche Oyasuka, où Salemaki dernièrement, l'IDPS a demandé, en fait, pas l'IDPS, on a demandé aux gens de marcher contre la loi Mina Kusakata. Il y a eu des débordements. Les gens sont allés peut-être au bout qu'à parler à un tel. Ce sont des débordements. La masse n'a pas d'âme. La masse n'a pas d'âme. Ce n'est pas bateau, c'est une masse, c'est une masse, c'est une masse. Donc on ne peut pas contrôler tout le monde. On ne peut pas. Les gens manifestent chacun de sa façon. Quoique, l'honorable Jekoko Yemoura Sali vidéo, il s'est même excusé pour ceux qui ont été choqués. Tout le monde a été choqué par cette vidéo-là. Lui aussi, il a été choqué par la vidéo. Mais il faut aussi que les gens comprennent que c'est pas son œuvre. Il n'a envoyé personne. Voilà, parce que lorsque vous observez les vidéos, c'est comme si sur le talent ou bien, et au moins on a Bozala Kiwana, après avoir fini, la maman a fait pipi, allez, on va dire que tant Bozana et ma maman, na maman. Non, non. On avait stoppé. On avait stoppé. Je l'ai bien expliqué. Tu stoppes pas qui? Parce que tu vas pour un itinéraire. Il y a un monsieur de la sécurité qui tentait de parler avec Jekoko. Il est tenté de pour un itinéraire autorosoir. Vous voyez? En même temps, ça a coïncidé que la maman demandait la photo. Et lui, finalement, lui a dit, bon, paye ces photos. Achana, Siwana. Parce qu'elle voulait, je crois, moi, en fait, personnellement, je me disais que Alinga Kanyatango, c'est ce que je me disais qu'elle va marcher sur ça. C'est à ça que moi, je m'attendais. Ouais, donc, personne ne s'attendait à ce qu'elle fasse ce qu'elle a fait. Elle a exprimé son ras-le-bol. Je vais vous dire une chose. Ici, ceux qui connaissent, Jérôme Moulouma, c'est le député le mieux élu de la République. Le député provincial, le mieux élu, même de Kinshasa.
sa base, le noyau de sa base, ce sont les femmes, ce sont les mamans. Vous savez pourquoi? Pourquoi appeler ça une valeur? Je ne pense pas que c'est quelqu'un comme ça qui va essayer d'aller humilier la femme. Non. Ceux qui sont en train de faire ça, ils ont seulement bateaux qui sont jaloux, il y a réussite, il y a marche. Parce que, comme vous le savez, il est chargé, Jérôme Mouma est chargé de mobilisation. Il est secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation de l'UDPS. Alors, il a si ça a réussi et voilà où nous en sommes. Voilà. Voilà où nous en sommes, c'est où se trouve le problème. Bon. Ah, ce sont des jaloux. Donc, la vidéo auto-salingana, c'est pour démentir et puis refuser toutes les accusations. Bah, maman Balobi, que non, je ne crois pas à une vieille femme. Je m'excuse, il y avait un appel entrant. Je m'excuse, il y avait un appel entrant. Non, non. Ah, ok. Non, je dis que. Non, je disais que. Donc, vous voulez, au travers de cette vidéo, de ce direct avec moi ici, démentir les légendes dit que les gens disent que non, c'est l'honorable Jekokonda Tinda qui est. C'est faux et totalement faux. Moi, j'étais sur place. J'étais sur place. Oui, c'est faux et archi faux. J'étais sur place. Moi, personnellement, j'étais sur place. Et quand on a préparé la marche, j'étais là au four et moulin avec l'honorable Jekoko. À aucun moment, on avait prémédité quelque chose de comme ça. Voilà, on avait fait juste des effigies des ronsards, on a fait des banderoles contre ronsards. Voilà, et l'itinéraire, et il avait lui-même appelé à une marche pacifique, une marche organisée. Donc, c'est faux et archi-faux. Ceux qui sont en train de faire ça, ceux qui sont en train d'essayer de créer un problème là-bas, essayer de ternir l'image, essayer de détruire son image, ce sont juste ceux qui sont jaloux de la réussite, de la mobilisation de ce jour-là. Voilà. Ok, avant de parler de la marche, avant de parler de la marche qu'on a libérée, qu'est-ce qu'ils se disent? Que j'ai propos à humilier, il ne faut pas cangailler, il ne faut pas porter plainte, comment? Qu'est-ce qu'ils se disent au niveau de la Kinshasa, au niveau de Kinshasa, là où vous êtes? Bah, porter plainte, sur base de quoi? On l'accuse de quoi au juste? On va l'accuser de quoi? Oui, humiliation. S'il faut porter plainte contre lui, alors il faut porter plainte contre. Non. S'il faut porter plainte contre lui, alors il faut porter plainte bisogno sur Batutosa. Parce que tout le monde était là. Il y avait des milliers de personnes, des centaines de personnes. Alors il faut porter plainte contre nous tous parce que bisogno, tout le monde a dit ce qui s'est passé. La plainte, ça sera sur base de quoi? Yo. Ok, mais pour le moment, la plainte, ça sera sur base de quoi? Parce qu'on a vu Azaki Niré blessé. Oui, il avait été touché. Il va bien, quoique Missou, ça fait un peu mal. Mais il va bien. Parce qu'il faut dire, Babeta qui est gaz lacrymogène directement dans Zotonaï. Et c'était un peu. Non. Bah, ils essayaient de disperser les gens. Ils ont compris que c'était lui, moi c'est ce que je me dis. Ils ont compris que c'est lui le leader, c'est lui qui menait la masse. Okay. Alors sûrement ils ont essayé de l'attaquer pour essayer de disperser les gens, je ne sais pas. Mais ce n'est pas comme ça qu'on les fait. Alors que la marche avait été très pacifique. Même notre convoi passait le siège PPRD, il n'y avait pas eu de casse, personne n'a attaqué. Ce qui s'est passé, c'était après, quand nous on était déjà dispersés. Il n'y a pas eu de casse. Il était là lui-même avec des policiers qui nous encadraient et tout ça. Et tout ça. Mais malheureusement, arrivé vers le palais du peuple, les gens tenaient à nous disperser, et voilà ce qui s'est passé. Honorable Eric Boukoula, je sais que vous opérez Malélo samedi, l'objet de la guise est trop chargé. Qu'est-ce que vous voulez au fait? L'IDPS est au pouvoir, et au même moment, l'IDPS est à l'opposition. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, c'est aussi faute d'une opposition responsable qu'on est obligé de jouer les deux rôles. Mais écoutez, ce qu'on veut, c'est quoi? Parce que l'UDPS est au pouvoir sauvé, mais l'UDPS n'a pas la totalité du pouvoir. L'UDPS a la présidence, l'UDPS a l'exécutif, quelques postes à l'exécutif. L'UDPS ne maîtrise pas le Parlement. Et est-ce que l'UDPS reconnaît ça? Est-ce qu'il reconnaît? Oui, évidemment, mais on n'a pas besoin de le reconnaître. On sait que c'est le FCC qui a une majorité, quoi qu'il y ait une majorité. Moi, je l'appelle une majorité préférée.
En 2006, le FCC, la Kabylie, a volé la présidence à Jean-Pierre Bemba. Okay. En 2011, ils ont volé la présidence à Étienne Tshisekedi. Ils ont compris que les gens sont devenus vigilants et ils ont compris qu'en 2008, tout va checker mis sous la présidence pour voir qu'est-ce qui va se passer là-bas. Ouais, ouais. Ils ont changé de stratégie. Ils ont volé au niveau des législatives. Donc, c'est ça. Et on ne veut plus que quelque chose se répète en 2023. On ne veut plus avoir une majorité préfabriquée qui est en train de travailler pour Yemei et non pour la population. Voilà. Mmh. On ne veut pas des gens qui ont été nommés par Yemei. On veut des gens qui sont élus par des Congolais. C'est ça. Ça que, la tricherie à la CENI, ça commence. Ça commence, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. Ne vous attendez pas, ils vont tricher le jour des élections. Non, c'est maintenant qu'ils commencent à tricher en plaçant un monsieur qui a été délégué par qui, on ne sait pas. Qui a délégué Rosaire? L'église qui m'a dit, c'est un catholique. Les catholiques, on ne les connaît pas. Finalement, il est arrivé là-bas comment? Et déjà, quand on voit déjà, il y a des tripatouillages comme ça au niveau, il y a. Il y a son élection, on comprend déjà qu'il y a Anguissou Roche. On ne peut pas faire passer. Quand on va à l'Assemblée, selon les règlements de l'intérieur de l'Assemblée nationale ici, à l'ordre du jour, un sujet qu'il faut placer à l'ordre du jour, ce qui sera débattu au Parlement, les députés en sont informés 48 heures avant. Donc 2 jours avant. Sauf en cas d'urgence, ils seront informés le même jour peut-être, mais en entrant dans la salle déjà, ils sont informés que voilà, il y a un sujet urgent qui a été ajouté à l'ordre du jour. Voilà. Ok. Donc, ceux qui avaient mon retard, personne n'a été informé. Et du coup, comme ça, le soir, vers la fin de la plénière, on vous balance quelque chose comme ça. Donc, on a essayé de faire un passage forcé de M. Rossard. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Il y a ce que nous demandons aussi, c'est même que, c'est même que cette CENI soit, c'est-à-dire la CENI, qu'il y ait des réformes au niveau de cette CENI, même dans les processus de désignation. Okay. Par exemple, moi personnellement, je me dis, confession religieuse, oui. Mais tu vois, une confession religieuse comme l'Église catholique, qui représente à peu près 80% ou 70% des Congolais. Oui. Qui, au niveau des confessions religieuses, est mis au même pied d'égalité que les Kimbanguistes, par exemple, qui ne représentent que 5 à 10%. Vous voyez que c'est aussi un problème, ça. Donc, il faut des réformes, et puis on va élire, on va élire les animateurs de la CENI. C'est ça, en tout cas, ma proposition sur ce point-là. Ok. Merci beaucoup. Préoccupation, M. Sungana, on a une anatoum, on a sur le terre, on a Kinshasa, on a aussi une téléspectateur. Je suis avec l'honorable Eric Boukoula, analyste politique, et puis Soso Pende. Cyprien, il y a honorable Jekoko, toujours en direct. Peut-être, si Dieu le veut, on permettre de faire en direct, il y a Mouro Jekoko, peut-être Nicolas Zato, week-end, aussi, qui ont fait sa bison de la tour sur l'année, et puis comme ça, ça l'a fait bien. Et là, maintenant, tu ne suis pas la marche à lundi. Il y a encore une autre marche qui va se passer, voilà. Les 13, Bonnie Katumbi, Jean-Pierre Bemba, bon invité. Bon, vous allez nous sauter pour ça et le roman. Pour marche, on va se battre bien sur le 13 encore le lundi. Oui, le 13, les Abanegorabis à la Mouka. Disant les opposants. Les Abanegorabis à la Mouka. Quoique moi, j'aurais suggéré qu'il fallait passer la marche jour Mouka Nabissou, c'est-à-dire le 9. Mais ils ont préféré que pour la jour Nabango. L'Union fait la force, dit-on, parce que là, nous combattons la même cause. Mais bon, ils ont décidé de le faire le 13. Bonne chance à eux. Oui. Je leur souhaite beaucoup de courage pour faire face à la situation. En tout cas, qu'ils puissent dénoncer comme nous on l'a fait. Et en tout cas, courage. Ça, c'est la Mouka. Ce sont des Congolais qui veulent aussi s'opposer à ce passage en force, à cette tricherie. Voilà. Courage à eux. C'est quoi pour soutenir Bangote? On les soutient, c'est déjà un soutien. Nazo peut déjà un message à travers Rio que voilà, on les soutient. Et tout ça, ils ont déjà soutien. On les soutient, on est. Groupe, Nabajekoko, c'est ça. On peut le faire, ça dépend. Quoique peut-être, on dit que
Apparemment, ça, la paix, ils ont rébellé. J'ai déjà journée à jeudi, quoi qu'ils aient eu en milliers de semaines. Mais on a sacrifié journée en haut pour la rebondir pour la moque. Bon, lundi encore, au début de la semaine, et Maramou, ils ont rébellé. L'emploi du temps peut compliquer, mais en tout cas, si j'ai la chance, il y a les Calva Média, Nicolo, je lancerai mon message de soutien. Soutien, ce n'est pas forcément présence physique. Mais qu'est-ce qui manque? Mais qu'est-ce qui manque, Bino, l'honorable Jekoko, la Mouka, beaucoup de temps à l'ensemble, Bino, tout ça, la force, mon corps. Pour lui, bon, tout ça, la journée, Mouka, marche, vous préparons au pénalité. C'est ce que je dis. Parce que Bino, on aurait souhaité qu'ils aient l'année Bongo. Oui, on aurait souhaité Bongo, parce que Bissot Tchaki marche avant, ils ont vu que c'est Zaki le 9. Moi, j'aurais souhaité qu'ils aillent rejoindre Bissot Lobby, il fallait battre pour la Nabissot, en fait. Moi, j'aurais suggéré ça, mais comme ils ne l'ont pas fait, bon, ils ont leur. Ils ont leur raison, peut-être préparation à Bango, ils ont différents. Ils ont différentes, donc voilà, ils savent ce qu'ils font. Il y a une raison sûrement pour ça. Mais moi, je suggérerais que prochainement, tous à l'ensemble, quand tous combattre une même cause. Voilà, voilà. Ok, le président de la République est de retour à Kinshasa, c'est ça hein? Oui, depuis hier matin, je crois. Pardon? Bon, c'était un séjour privé. Non, c'est un séjour privé. C'est vrai que c'est le chef de l'État, ils ont des informations sur ce qui ne peuvent pas être divulguées, mais j'ose croire, peut-être qu'ils avaient un problème de santé, on ne sait pas en tout cas. Mais les actes privés, ça n'avait rien à faire avec. Ça n'avait rien d'officiel, quoique, en bon bosseur, il profite même parfois, il y a occasion à Bongo, même à Kenya pour des raisons privées, mais s'il y a quelques contacts, rencontres qu'il doit faire pour l'intérêt du pays, il les a fait sûrement. Mais c'était plus privé. Ah, ok. Ah, ok. Non, merci beaucoup, Ndeko Eric. Je suis là, je suis là, c'est Eric Boukoula, suppléant honorable Jekoko Mulumba. Il est bien portant. Il est bien portant, quoique un peu de couac. Moi, mis sous. Oui, c'est mieux que hier parce que l'obi a joué ma choc à ma casse. Votre mot de la fin. Ah, ok. Mais tout le monde, il y a un blessé, il y a plusieurs blessés plutôt, il y a un mort parmi les militants. Il y a trois morts en fait. Hein. Officiellement, il y a trois morts, je crois. Il y a trois morts. Yes. Parce que nos Alarabes ont battu Babim, Bafoufi, après, à la fin, à ton bazar, on a ma position. Non, on ne les laissera pas faire. On a fait passer le message du peuple et nous attendons à ce qu'ils puissent retirer cette candidature. S'ils ne veulent pas, eh bien, on va continuer la pression. Donc la pression toujours démarre. S'ils ne veulent pas, on va continuer la pression. Ou il n'y a pas de, y a une autre formule. C'est ça l'outil, le seul outil dont dispose le peuple. Non, c'est le seul outil dont dispose le peuple dans une démocratie. Okay. Donc, manifestation pacifique, on va manifester. Maintenant, au cas où le président lui-même a mis désignation à Nasco Bossane. Bon, le président a eu la base, ça, je suis sûr qu'il est bien mopé. Il n'est pas comme ceux du FCC qui écoute les Yémeï, lui il écoute le peuple, il sait que c'est ça sa force.